et les masses continueront à se nourrir de chimères. Attends, il est passé où le Johnny Rebel? Je crois qu'on l'a perdu. Eh ben, je l'ai retrouvé, moi. Il est dans la tête de ce type. C'est lui le vrai rebelle. Faudra te décider à la fin. C'est un dingue ou un messie? Il a à peine ton casque, il est fêlé, tout comme le monde. Et comme toi aussi, parce que t'as mon esprit complètement fêlé dans ta putain de tête. Donc, si on veut sauver le monde, le premier truc à faire, ça doit être de se faire à peine ton casque. Sacrée journée, putain. C'était surréaliste. Mais la réalité nous appelle. Allez, on a d'autres trucs à casser. Envoyez le mot espace au 72-99. Le Crystal Palace, un paradis sur Terre au milieu de l'espace. カルタ的人気のミュージカル、企業戦争が待望の再現。
Salut, c'est Rachel. Celle du projet La Passion, la déesse. Ah ouais, bonne neuf. On est en pleine crise. On aurait vraiment besoin de votre aide. Stevenson fait une crise de nerfs, le genre qu'aucun psy peut régler. Vous pourriez venir ici, au studio, juste pour lui parler? Pas de problème, j'arrive. Il dit qu'il vient. Merci, V. Qui vous attend? Je dois aller où? Suivez cette rue, c'est le bâtiment avec un officier devant. Merci. Je pensais que vous auriez l'air... Je sais pas, plus professionnel. Tant pis, entrez. Je pensais que vous auriez l'air, je sais pas, plus professionnel. Nous serons dans les temps. Quelqu'un va venir nous aider. Enfin, on est en retard. Stevenson vous a demandé toute la journée. Il est dans sa loge, allez lui parler. Vous vouliez me voir? Apparemment, vous êtes mon seul ami. Ça en dit long sur moi, non? Qu'est-ce qui vous arrive, au juste? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis là? Je suis peut-être fou, après tout. Ce que vous voulez faire, c'est de la folie. Vous voulez vous suicider, et ça va engraisser le studio pendant longtemps après votre mort. C'est trop tard. Je peux plus faire marche arrière. J'ai si peur. Vous voulez bien prier pour moi? La prière de votre choix. J'ai pas envie de prier. Très bien. Alors donnez-moi juste une seconde. C'est l'heure. Allons-y. J'espère sincèrement que Zuleika prie pour moi. Vous voulez bien rester avec moi jusqu'au bout? J'aimerais que vous preniez le marteau et que vous me clouiez sur la croix. Oh non. Ils vont vous clouer sur une croix. Je veux même pas regarder. J'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Mais ça, non, pas moyen. Désolé. On en a terminé, alors. Je vous recontacterai. Au revoir. Allez, tout est prêt. C'est pas le moment d'hésiter.
d'énergie. News. Gillian Jordan. Des scientifiques de Biodyne Systems ont annoncé une percée dans la lutte contre la sclérose en plaques. La SEP est l'une des rares maladies que l'on ne peut pas traiter en remplaçant les tissus affectés par un implant. Toutefois, les experts de Biodyne ont créé des lamites dont l'injection... Je ne comprends pas. Arasaka n'avait pas assez d'hommes comme ça. Regardez autour de vous. La tension monte dans toute la ville. Les costards savent plus. Je sais qu'on l'écouterait pendant des heures, mais faut que je te pique ton copain deux secondes. C'est ce que tu fais. Goro, content de te voir. Tout le plaisir est pour moi, V. J'ai réuni des informations de mon côté. Tu sais qui souhaitait le plus honorer Arasaka-sama avec ce défilé? Son assassin, l'ironie de la situation me dégoûte. Je vois toujours pas ce qu'on va faire de tout ça. J'ai ma petite idée. Regarde en l'air. Les chars d'Ashi passeront exactement par là. Si j'arrive à monter sur le char de Hanako-sama, je pourrai lui parler en privé. Mais... comment ? En sautant, bien sûr. C'est du délire total, Goro. Même si t'avais encore tes super implants, t'aurais aucune chance d'y arriver. J'ai réfléchi à une solution. Pendant que tu t'occupais de tes petites affaires, je me suis renseigné sur les chars. Ils sont tous entreposés au même endroit. Le parc industriel d'Arasaka. C'est là qu'ils les préparent. Il nous suffit de nous y introduire, de trouver le bon char, et d'injecter un virus dans son système. Tu pourras alors neutraliser la sécurité, avant que je me glisse dedans. On peut faire ça d'un tas de façons différentes. Il va me falloir... Je sais ce qu'il te faut. Je m'en suis occupé. J'ai un éclat infecté. Il m'a coûté cher. Mais l'homme qui me l'a vendu... m'a assuré qu'il marcherait. Viens, marchons un peu. Prendre le contrôle du char, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. La sécurité m'inquiète, surtout les snipers. Je serai une cible facile. Mais j'ai peut-être une solution. Okada-san a mentionné les caméras de la ville. Si on y a accès, on saura exactement où se trouvent les snipers. Tu pourras les neutraliser pendant que j'avancerai. Ok, ça devrait faire. Tu n'as pas d'objection? Les risques sont importants. Ah, oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Et maintenant... que dirais-tu d'un petit test? Il faut essayer l'éclat. La salle de contrôle des caméras est devant nous. Tu dois y accéder et infecter le réseau, c'est tout. Ouais, et pendant ce temps, tu vas faire quoi? Te boire une petite bière? Je ne bois pas d'alcool pendant le travail. Je te couvrirai.
Allez, à toi de jouer. Ça a marché. Alors ? Le système est à nous. L'éclat fonctionne. Bien. On a fait le plus simple. S'infiltrer dans le parc industriel de Rosaka ne sera pas une mince affaire. Mais avant de parler de ça... Assieds-toi. Je n'ai rien mangé depuis hier. Donnez-moi votre meilleur plat. Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Du moment que ce n'est pas local. Allez, à demain. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de char à Saka pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être. On verra. Je suis content qu'on soit d'accord. Va savoir. Peut-être que ce bâtard se dit la même chose. Hé, qu'est-ce que c'est ? Yakitori. J'ai établi le plan. 1. On se filtre dans le parc industriel d'Arasaka. 1,5. On pirate le char de Hanako-sama. 2. Lors du défilé, je te guide et tu élimines tous les snipers. 3. Je monte sur le char. 4. Je révèle la vérité à Hanako-sama. T'oublies le 5. Oda nous bute et pisse sur nos cadavres. Il va sûrement pas lâcher Hanako d'une semelle. Je suis convaincu qu'Oda n'oserait pas s'attaquer à moi. Et à moi ? Pour toi, c'est différent. Je te conseille de ne pas t'approcher de lui. À mon avis, c'est du suicide. J'ai déjà fait plus stupide que ça. Tu as fait des choses encore plus stupides que voler Arasaka. Ah, ça, non. Faut dire que j'avais fait fort aussi sur ce coup-là. Maintenant... Séparons-nous. Il faut faire une reconnaissance. Tu vas avoir besoin d'un guide. Je viens avec toi. C'est vrai. Et avec ta dextérité et ton esprit de voleur, j'ai d'accord. Faisons ça ensemble. Chef ! Montez le volume ! J'ai décidé de vous présence. En chair et en os. De sécurité en activité à Night City. La présidente Mayer a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et il... Ils lui ont donné ce pouvoir. Mais alors, comment qualifier le meurtre de mon père ? N'était-ce pas une provocation ? N'était-ce pas... Arasaka, un empire bâti pour durer. Avant que Yorinobu n'y mette le feu de l'intérieur, tout est de sa faute. Les factions, les luttes de pouvoir, tout ce... ça. Comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Le plus fort... que j'ai jamais connu. Pourtant, en un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse. Envers Yorinobu ? Envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille,
Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentrée, la queue entre les jambes, c'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Si on arrive à convaincre Hanako de notre version de l'histoire, sa vision des choses pourrait changer. Sa conscience pourrait aussi la travailler. Enfin, si elle en a une. Nous devons d'abord l'atteindre. On y va ensemble. Merci, je vais me débrouiller. Très bien. Je vais y aller aussi. On se retrouve là-bas.
J'ai trouvé un bon point d'observation. Il nous suffit de grimper là-haut. Allez, c'est par ici. La chance est avec nous. On dirait qu'il n'y a personne aujourd'hui. Ce serait une belle vue sur la ville. Si seulement... Quoi? S'il y avait quelque chose à admirer. Tu détestes Night City à ce point? J'ai peut-être juste le mal du pays, comme vous dites. Bien. Regarde si tu trouves des points faibles. Pendant ce temps, je vais réfléchir à une diversion. Il ne faut pas que Rosaka découvre ce qu'on prépare. Un sabotage serait parfait pour détourner leur attention. Tu auras le meilleur angle sur la gauche. Je vais me poster là. Cette vieille lunette devrait nous être utile. Et si nous commencions? Ok, c'est parti. Une passerelle, mais avec des gardes. Nous n'entrerons par là qu'en dernier recours. Le transformateur près du mur, tu le vois? Il pourrait nous aider à grimper. Une antenne. Le cœur de leur sécurité doit être dans ce bâtiment. C'est parfait pour un sabotage. Des tuyaux, tu les vois? On pourrait s'en servir pour entrer. Tu te débrouilles bien. On dirait un tunnel de maintenance à côté de la route. Il le mène peut-être aux entrepôts. Je crois que j'ai tout vu, là. Est-ce que tu vois les trois antennes? C'est parfait pour un sabotage. Quand leurs communications seront coupées. Daikon Lanza. Alors, on s'y met? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpiki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Y a plus qu'à tuer le temps. V. Quoi? Pas de geste brusque. Tu le vois, le chat. Il est mignon. Je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night City. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Du calme, c'est qu'un chat. Peut-être. Ou peut-être pas. Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les Kitsune, les Kappa et les Bakeneko.
faudra faire attention aux mechas. Ça te manque ? Question idiote. Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. C'était comment de grandir à Chiba 11 ? Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Pourquoi ils avaient besoin de gamins ? Pour en faire des soldats corpaux. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À l'armée, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges. Même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde, de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la sécurité... Et les pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas tout arranger d'un coup. Ça sert à rien de s'engueuler. Restons-en là. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites, les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est ce que je crois. Non, quoi? Ce jour-là, au Kanpeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit. On se querelle pour rien. Voilà enfin des paroles sensées. Il y a une chose que tu dois savoir. Ça concerne Monsieur Wills. Jack, qu'est-ce que t'as à me dire? Quand j'étais à ta recherche, d'autres recherchaient Jackie. Ils ont emporté son corps. Putain, mais pourquoi ? Ils pouvaient même pas laisser sa mère lui offrir de vraies funérailles. Arasaka a une méthode pour extraire des informations des morts. De quoi est-ce que tu parles ? Je n'ai pas bien compris les détails. Mais ils se servent du programme Tueur d'âme. Ils peuvent extraire un engramme du corps de Monsieur Wills. Endommagé, incomplet, mais ça reste un engramme. Putain, bande de fist. La psyché de Jackie, il la garde où ? Ça, je l'ignore. Pourquoi tu me dis ça que maintenant ? Je n'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. La situation a changé. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non? Merde, c'est de pire en pire. Tu n'as pas l'air si mal en point.
Je reste à l'écoute. Les manœuvres de diversion, ça, c'est mon affaire. Finira par te trouver. J'y suis! Tu as vraiment... J'ai entendu! Bah quoi? Je devais rester discret! Ça s'est pas vraiment passé comme prévu! Fou. Je vais essayer de les distraire! Quand tu vois jusqu'au char! Même moi, je peux te voir! Comment ça se passe pour toi? Bien. Je vais atteindre la salle de contrôle et semer la confusion.
Ok, le char est à nous. Tu pourras voler avec jusqu'à Tokyo si ça te dit. Oui, pourquoi pas. Bon travail. Ça va bien. En mon tour, tu as vu, c'est le chaos total. Même toi, comment ça. Mais, et toi, c'est ta porte de sortie. Il y a des bâtiments plus petits tout autour. Certains pour redescendre. Fais, dépêche-toi. Il y a une navette à la Saka en approche. Putain, ça a marché. Excellent travail, V. Ok, et maintenant ? Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage d'ennuis. Oh, je suis plus à ça près, tu sais. Vous êtes content ? C'est quoi le problème ? Vous, vous avez tout fait foirer. Il a douté, il a hésité, on n'a pas eu son putain de... Ah, ah, désolé. Je vais vous réduire en miettes ! Vous trouverez plus jamais un autre boulot. Qu'est-ce que vous avez ? Nouveau dans le coin ? Entrez, entrez. Qu'est-ce que vous avez ? Nouveau dans le coin ? Entrez, entrez. Thank you.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? CV, paraît que vous avez un job pour moi. Exact. J'ai besoin d'un chauffeur. Alors appelez un taxi. J'aime pas les taxis. Ils ont la fâcheuse habitude de se barrer quand ça dégénère. Écoute, je suis du genre direct. Alors je vais te parler franchement. Il paraît que t'es le meilleur en ville. Perso, je travaille qu'avec les meilleurs. Et je sais que ça a un prix. Je vais pas commencer à rentrer dans les détails, parce que si ce qu'on m'a dit est vrai, t'es du genre à t'adapter à tout. Alors on va régler ça tout de suite. T'es à la hauteur. Ou on m'a mal renseigné. Ok, je marche. Japantown, devant l'entrée du marché. Donne des coups de klaxon et je viendrai. Oui, V. A plus, V. Tout va bien? Ça dépend de ce que tu veux dire par « tout ». Et de ce que tu veux entendre. Oh, tu sais, la routine. Ah ouais. Je vois que tu t'es déjà fait toute la scène dans ta tête. T'as l'habitude, c'est ça? Panam. Mais bon, c'est vrai, tu m'as manqué. Tout va bien? Ça dépend de ce que tu veux dire par « tout ». Salut, et toi, V? Oh putain de merde! Ça répond pas à ma question. Ouais, c'est moi. Bien, alors on y va. On va où? À Little China. J'ai envie d'un poulet impérial. Extra piquant. Pas. Quoi? La grenade. Au milieu de ta tronche, tu sais. On s'habitue. Je dois juste faire gaffe à pas tirer sur la goupille quand je me cure le nez.
C'est plutôt cool ici. Ça a bien changé. Tu viens d'où, au juste? Du Brésil. Tu sais, en Amérique du... Je sais où c'est, merci. On sait jamais avec vous, les gringos.